parti pour les vacances. Premier arrivé. J'ai gagné. Ça va te faire tout drôle de plus le voir tous les jours derrière son pupitre. J'allais quand même pas le faire redoubler pour mon plaisir. À toi, Marcel. À toi, Marcel. Les pieds paquets seront prêts dans 10 minutes. Peut-être 12. 14. Non, 10 minutes, et c'est tout. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, madame. Et messieurs, dames, veulent boire un peu d'apéritif? Ce n'est guère dans nos habitudes, mais cependant, cela nous permettra d'attendre. Attendre quoi? Attendre le repas. Et un bon repas, et un copieux repas. Est-ce vous, madame, qui faites la cuisine? Moi? Oh non, c'est mon frère. Je vais le prévenir. Cigalon! Cigalon! Quoi? Ils veulent manger. Manger quoi? Eh bien, je sais pas, moi. Ils veulent manger. Je m'en doutais. Monsieur, ce sera d'abord un peu d'apéritif. Picon grenadine pour moi et quinquina pour ces dames et pour l'enfant. Eh oui, bien, si Denis, donne-y. Et quelques débris pour le chien. Ah oui, mais il y a aussi les restes d'hier, portez-les pour le chien. C'est parfait. Et nous, qu'est-ce que nous allons manger? Ah, oui, vous, qu'est-ce que vous allez manger? Vous êtes avec cuisinier. Je veux être changé instantanément en homme litre. Cette vieillarde est folle. Pas tout à fait. Elle a bien quelques chauves-souris dans la soupente, mais elle n'a jamais fait de mal à personne. Et puis c'est sa fête aujourd'hui. Ah, les plus heureuses. Bravo, tant mieux. Merci. Et à cette occasion, j'ai dû promettre à toute la famille un gueuleton à se faire péter la ceinture. Et nous voici. Eh oui, vous voici, oui. Vous voilà. Nous voici, nous voilà, nous voici là. Ah, et maintenant, dites-moi, que mange-t-on ici? Enfin, je veux dire en général, une spécialité du pays? Ben, vous savez, ici, c'est un pays de braconniers. Alors, ce qu'on mange le plus, c'est du gibier. Mmh.